L'Éthiopie revendique la mort de hauts responsables du Tigré. Selon un communiqué, l'armée éthiopienne aurait neutralisé au moins 4 officiels du Front de libération du peuple du Tigré. Ce jeudi, le général Tesfaye Ayou a annoncé la mort, entre autres, du porte-parole du TPLF et l'arrestation de 9 dirigeants, dont Kilusan Nega, l'ancien président de la région dissidente. En novembre dernier, le gouvernement éthiopien avait émis des mandats d'arrêt contre plus de 60 hauts dirigeants tigréens. Ces derniers, qui défient le gouvernement fédéral depuis des mois, sont désormais en fuite et une nouvelle administration est déployée dans la région. Le président du TPLF, Debretsion Gebremichael, est pour sa part toujours introuvable. Le 28 novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé la fin d'une offensive militaire après que la capitale régionale Mekele était tombée aux mains de l'armée fédérale.